Alors, moi j'ai l'honneur de faire une visite dans l'EDH après tout problème que nous connectons. Je remercie le président syndicat et l'équipe qui ont recevoir le matin. Je vais prendre certaines informations, mais tout, je t'ai bien aimé que le président syndicat lui font un petit avec nous et puis moi-même m'a enchaîné. Qui je comprends visite ça et je dis à la. Moi, ça y est, la presse parle et puis télévisé là. Et moi, je dis nous merci pour la présence dans le local Festred là. Et m'a dit, PM, non, merci tout parce que je dis, bien que c'est la circonstance, ça, il visite nous la Fédération syndicale EDH là. Et femme dit pour tout le monde qui l'a, la presse, tout le monde qui attendait, et que local ça, c'est matin, dans la radio, nous tendait PM Nabvini. Ce n'est pas une visite qui était planifiée. Et que dès que nous tendait Premier ministre Nabvini, nous fait diligence, nous fait en sorte. Et puis les policiers qui étaient barrés nous depuis plus que 4 à 5 jours, nous pas de 40 ans, ils ont ouvert pour nous, nous font une petite préparation, nettoyage, et puis nous recevoir le ministre là. Et oui, nous comptons ça parce que le problème qui gagne dans l'EDH, il n'y a pas seulement dans l'EDH au niveau emploi et au cap contesté M. Michel Brésimé, l'entête EDH. Il y a un problème national parce que l'EDH est un patrimoine national lié. Et en plus de ça, courant, pas de monde qui peut vivre sans courant. Bien que y ait un rationnement et par rapport à le groupe nous qui est endommagé par rapport à. Nous avons dit injecteur qui crase par rapport à fromage ou EDH
TH là mais nous secteur. Donc nous dit client pas nous ouais, nous garder nous ouais, nous vivre, nous ouais gon redressement à faire et population pour l'en face EDH, emploi EDH. Nous même nous pas responsable ça qu'a fait dans EDH parce que nomination qui toujours fait dans tête EDH c'est toujours l'état haïtien qui fait la travers président de la République là. Est-ce que nous venons en tête? Non, pour le moment, nous ne pouvons pas dire que nous entendons. C'est juste une visite de courtoisie. FESRED, qui est une fédération, son institution liée. Nous planifier. Comme je vous ai dit, ça, ministre, là, avec comme président de la fédération, nous planifier une rencontre qui peut durer peut-être 2 à 3 jours. C'est après-midi, c'est qu'à demain, si Dieu veut. Mais. Moi m'a remercie le premier ministre et nous même qui là tout parce que moi dit déjà problème EDH qui traverse aujourd'hui là c'est pour un problème de emploi EDH de FESRED son problème par rapport à monsieur Michel Présumé et que qui passait des présentations qui fait non déjà m'ka dit qui vend produit à Jean Yvan Nian emploi EDH dès que autant de nominations monsieur Michel Présumé l'entête EDH yo dit yo pas accepter parce que même Jean qui a liquidé Téléco, Minotri, Simon d'Haïti, il n'a pas accepté pour venir liquider EDH. Monsieur le Premier ministre. Nous ne pouvons pas présumer. 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 Sécurité. Sécurité, faut que vous écoutez. Ok. Sécurité, faut que Tout le monde était là. Parce que pour nous-mêmes qui sommes plus jeunes, probablement, nous ne connaissons pas ce que c'est EDH. Même quand ça EDH, c'est EDH. Et là, ils ont démonté EDH tout. Moi, j'étais là. Moi, j'étais là. Ils ont pris bien EDH. Ils ont pris le secteur privé. Qui pour vendre l'État courant. Moi, songe tout. Tu as gagné plusieurs. Compagnie qui t'a créé plusieurs petites compagnies. Ou éclairer l'antenne, moi si c'est ça. T'as gagné plusieurs petites compagnies. Et je ne crois pas un haïtien qui n'a pas vu Port-au-Prince qui était toujours un série de typicop avec échelle sur eux, qui pas marqué EDH mais qui a monté sur le réseau. Moi-même, comme abonné, je subis ça parce que moi, j'ai une petite machine qui vient retirer mon transformateur dans le quartier là quand même et puis la laver. Et ça fait presque dans tout Port-au-Prince. Mais nous tous les là, nous avons gardé. Nous venons faire une visite là dans EDH, je vois que c'est des belles bâtiments. Mais malheureusement, moi-même, je t'ai toujours dit, EDH pas dirigé. EDH pas jamais de monde qui a dirigé. Et c'est ça qui fait nous arriver là aujourd'hui. Nous avons parlé de présumé. Présumé n'est pas le problème. Non. Présumé, c'est un employé. Il y a un leadership. Il y a un monsieur Lord. Pour le travail, l'autre chef la Tebalia, c'est lui l'exécuté. Jodia, président Jovenel, contrairement à ce qui est passé dans EDH dans le passé, lui choisit de remettre EDH campé sous deux pieds militaires. Et première réunion que j'ai gagnée avec le syndicat, ils ont tous unanime à reconnaître que le président Jovenel de bonne foi et ils sont contents sur la route libre aller. Il parlait là de plusieurs injecteurs qui crasaient, matériel commandé et m'bral ban et en détail qui ça cap fait pour compagnie retourner sous deux pieds. Discussion yo toujours continué, n'a continué chita parler avec syndicat, n'a continué négocier avec yo, mais il faut que nous arrivions côté non point pour nous faire compagnie restant même si n'a continué parler. Pour compagnie recommencer bail service gagner moun k'ap saboter équipement EDH yo si nous gardé et où sont journalistes bien sûr eh ben Watson sous son journaliste ou son moun formé pas vrai avait dit Watson mais fin parler ça ne se fait pas est-ce que non côté bouc la bonne coupe la même chose. Écoutez, nous continuons à parler avec le syndicat.
Parce que les syndicats sont une institution qui mérite respect dans tout pays quand on choisit de faire démocratie. J'avais dit, je parle avec vous, pas gagner écrasé pour nous craser, briser. Nous seulement gagner pour nous chita, parler, jusqu'à ce que nous ayons une solution. Démocratie, c'est ça lié, c'est dans le dialogue. Je ne vais pas prendre un bout de bâton, je vais me dire syndicat, chita ou bien camper. Non. Ça va à la mode. Depuis 1986, ça finit dans le pays. Faut que je me chita parle avec vous. Pour entendre nous, sur qui côté nous braler, qui ça n'a fait. Il y a toujours dit qu'il n'y a pas de joutes, il y a toujours dit qu'il n'y a pas de pierres, il y a toujours dit qu'il n'y a pas de présumés. Mais il faut continuer à parler, il faut accompagner, il faut continuer à vivre. Parce que c'est pour ça que le syndicat a lutté tout, pour le meilleur EDH. Alors, je vais expliquer nous, pour EDH, il y a déjà une négociation qui est faite avec la Turquie. Pour y porter des barges, lui-même, lui connaît de qui ça m'a parlé, pour nous commencer par le courant, en attendant que nous travaillons pour nous augmenter les capacités de production. Il y a une réparation en urgence, tout, parce que le président a parlé de ça, de centrales électriques qui au cap, pièces de rechange, ils ont commandé déjà, et il y a privé semaine prochaine. Il avait dit, il faut qu'on prenne patience. Il y a pour construire tout, une centrale de 60 MW. Kafou. Si nous regardons, nous avons des déclarations d'utilité publique que l'État déclare des terres, c'est pour ça. Nous avons construit une nouvelle centrale de 180 MW cap marché avec gaz naturel. Nous avons construit deux centrales en province, 25 MW dans Cap Haïtien, 25 MW Gonaïve. Processus passation de marché, ils sont en cours déjà. Nous avons tout plan pour augmenter capacité de production EDH avec ça ou les panneaux solaires, ça ou les énergies solaires photovoltaïques pour nous baisser le coût de production, comme ça tout, facture que nous devons payer, il y a meilleur marché tout. Il y a 50 MW sous Port-au-Prince, il y a 20 MW Gonaïve, 20 MW il y a fait sous Cap-Haïtien, il y a fait 5 MW et Jérémy, Jacques Melabien 10, Port de Paix 10, total c'est 115 MW. N'a fait avec production et solaire photovoltaïque. Bon bagaille et le transport. Et président syndical sont parlé de lui. Lors du transport dans EDH, il dit que transport est désuet. Il avait dit câble n'est pas bon, il y a un poteau mal placé, il y a un poteau qui est en mauvais état. Il avait dit il y a un travail qui a fait sur ça. Il y a une construction 60 km de ligne de haute tension que vous pouvez le faire. Et puis il a réhabilité tout réseau d'Elmat. Gagné près 150 millions de dollars taïwanais que nous tendons. Normalement, il a fait ordre de décaissement déjà. Pour est-ce qu'il a commencé le travail conjointement avec le syndicat, bien entendu, pour nous commencer la construction de 4 nouvelles sous-stations, rénovation tout de 9 sous-stations qui l'a déjà, mais qui a fonctionné mal. Commercialisation. Il a cherché un opérateur privé. Parce que le second problème EDH gagne, c'est que EDH produit courant, lui distribue courant, mais il va toucher pour lui. C'est-à-dire, aspect commercialisation, parce que c'est trois aspects gagnés dans le courant. Gagne production, que c'est avec un Delco Fel, que c'est avec hydroélectrique, que c'est l'autre tube nous mettons. Gagne production, gagne transport là, qui c'est poteau, câble, transformateur. Et puis il y a une commercialisation. Je ne peux compter sous droite là combien de monde qui recevra Bordeaux la caillou pour payer EDH. Parce que EDH, moi-même, je paye EDH chaque mois, mais c'est toujours moins que pour aller selon la facture que je recevoir. Et je suis sur son estimation, fait moi, parce que je ne peux pas jamais moi venir devant la caillou, venir lui compter. Je ne peux pas dire si c'est pour moi seulement lié, mais je suis nous tous là, c'est le même problème. Nous besoin installer des compteurs prépayés. Compteurs prépayés, ça y est, moi, y a déjà dans la zone sud. Bon côté déjà, on achète courant, tant que c'est 4, on met sous téléphone, on achète 100 gouttes de courant, on utilise 100 gouttes ou 100 gouttes là, l'elfine, nous pas de courant. Quoi. C'est là pour nous. Et j'aime ça dire tout à l'heure, négociation, il y a continué avec le syndicat, on a continué à parler avec eux. Nous connaissons les gens qui ont parlé dans ça parce que le pays ici, tout le monde parle dans tout le monde. Mais des fois, il n'y a pas maîtrisé rien dans sa parole.
Alors, Chenal, vous avez dit ces quatre questions. Oui, oui, oui. Et là, je m'informe, je pour la télévision Métropole. Monsieur le Premier ministre, vous développez là un ensemble de projets qui ont fait l'idée pour redynamiser EDH. Mais le projet, ça a fait dans le contexte côté que nous pas capable d'être nommé, il y a de graves contestations au niveau EDH par rapport à la décision que vous avez prise pour nommer monsieur présumé comme directeur général. Comment nous entendons avancer pendant que nous avons clairement exprimé et je dis à la présence, nous continuons à dire, nous ne pouvons pas prendre travail avec monsieur présumé comme directeur général. Et puis, projet ça, sous qui perd de temps à échelonner, est-ce que c'est juste en fin de mandat président pour le faire? Et puis, troisièmement, si vous permettez-moi, monsieur le Premier ministre, c'est le PA démissionner en bloc. Comment le gouvernement accueille la décision ça? Oh, belle. Nous sommes à poser des questions, Eloge. Merci beaucoup. Alors, pour contestation contre monsieur présumé, moi, je souhaite répondre déjà, je continue à discuter avec le syndicat pour nous faire autant de raisons. Parce que présumé, son employé, si ça ne va pas le faire, c'est ça l'a obligé. Moi-même, tout me souffrir le fait que télécoté vend. Parce que je suis contre ça, je suis jeune moi-même. Camille Chalmers, son monde qui passait des présentations dans la lutte contre ça que tu as fait. Yo. Je souffre tout parce que je te vends le ciment d'Haïti. Je souffre tout parce que je te vends la minoterie d'Haïti. Parce que je te connais. Yo. Probablement, nous très jeunes, nous ne savons pas de qui ça m'a parlé. Mais le pays a te des institutions. Je ne pas dire que tu as bien marché. Je ne pas dire ça. Mais je te là, même si avec EDA. EDA, c'est liquide ou te liquide. Je te baille l'autre liquide, il est liquide. Téléco. Téléco. Non, mais EDA, c'est pratiquement même bagarre. Je te prends matériel, tu te baille même. Okay? C'est pratiquement même bagarre. Mais je dis, ce n'est pas le même contexte. Ce n'est pas le même momentum. Non? Et M. Présumé a obligé d'exécuter, faire de route que le recevoir dans mes exécutifs. C'est ça me dit. Dur travail. Non, dur travail. Normalement, n'était-ce pas COVID-19, nous sommes très loin déjà. Parce que le contrat a signé déjà avec une compagnie. Et taïwanaise. Supervision, yo là déjà. Nous faisons de décaissement, nous avons de décaisser. Nous pensons, nous partons encore sur environ entre 4 et 6 mois. Comme si à partir de date que nous avons stoppé. Vous ne parlez pas à l'heure du conseil électoral là qui démissionnait en bloc. Moi, déplorer ça. Mais c'est une page tournée. Je regrette que. J'ai un pile dans mon bio, je connais ça au vaut. Par exemple, si je peux permettre, je vais citer non, un seul monde la donne, et le président du conseil électoral provisoire, c'est un monde que je connais qui a boumé depuis 83. Son lutteur avait dit, le fait que le conseil a démissionné en bloc, M. Léopold Bélanger, pas suspendre lutter pour la démocratie dans le pays d'Haïti. Je suis sûr qu'il a continué de travailler, parce qu'il fait plusieurs institutions déjà. Si je songe, tu as IREP, tu as CNO, il est toujours dans l'élection. Avait dit, moi-même, m'attends que le secteur réagit officiellement pour nous remonter au conseil électoral, là, pour discussion politique, continuer. Parce que l'élection, elle est faite pour les compétiteurs, elle est faite pour les leaders politiques. Parce que toute lutte nous a gagné, c'est lutte pour prendre pouvoir. On nous fait politique pour prendre pouvoir. Ou pas faire politique parce qu'on sont belles petits garçons, sont belles petites filles. Non. Ou faire politique pour prendre pouvoir. Et toute lutte nous est, c'est la prise du pouvoir, c'est lui-même. C'est là tout le monde bralé. Avait dit comme c'est compétition est faite pour compétiteurs, mais conseil électoral là, c'est un gros mot sur la donne qui pour continuer le travail et lancer compétition pour le faire. Mais nous travaillons pour nous remonter. En clair, monsieur le Premier ministre, nous pas entendre tourner au niveau de l'exécutif à travers ces deux branches. Nous ne pouvons pas entendre tourner sur nomination, monsieur le présumé, mais nous préférons plutôt privilégier la question de négociation. Négociation, dialogue, parce que ce n'est pas à l'ordre du jour pour le monde. Et Premier ministre, nous remercions de la pour Radio Télévisionnée. Nous connaissons l'État, la majorité du monde qui doit, et l'État, c'est le secteur public là, et le ministère. Je dis à la qui dit que le mécanisme pour le mettre en place pour nous capables de river, faire tout le ministère et tout le monde qui doit aider à payer. Mon cher. Et vous faites exprès de poser une question ça. Pour qui ça? Parce que tout pendant le ministère des Finances, nous avons fait 6 mois ministère des Finances, nous ne pouvons pas l'avoir sur ça déjà. Et bureau l'État nous avons commencé à débiter compte pour payer EDH. En pile, nous avons payé déjà.
et à continuer à payer. Parce que, pas qu'on l'État dans l'État, ou acheter un produit, c'est pour payer pour lui, électricité, son marchandise, lui, l'eau financière, il faut payer. Merci un peu pour la question, ça, c'est une très belle question. Monsieur le Premier ministre, monsieur le Premier ministre, le gouvernement n'a pas entendu et fait back sur le décret et le code pénal, là, parce qu'il y a plusieurs et protestations, le secteur protestant, hier, il est levé contre lui. Est-ce que le gouvernement a continué à faire le décret ça? Non, attendez. Moi, je te fâche, je me lis un côté. Si vous voulez cacher un bagaille, mettez-le dans le livre. Parce que les gens n'ont pas lu. C'est ça, barrer la tête. Mais t'es fâché en pile. Mais tout le monde qui a contesté le code pénal là, il n'y a pas l'île. Oh, non, attendez, attendez, attendez. C'est moi qui dis. Si vous voulez, je vais prendre rendez-vous avant pour me prouver, il n'y a pas l'île. Non, attendez, attendez, il dit ça. Code pénal, attendez, attendez. Code pénal, c'est punition que le bail. Code pénal pas autorisé mariage. Bon confusion dans ça. Comme si chaque passe dans le code civil, il prend le mettre dans le code pénal. Pourquoi nous parler déjà sur ça déjà? Le code pénal qui fait là, il n'est pas applicable immédiatement. Il y a 2 ans pour nous tendre, pour nous tendre bruit tout le monde, pour nous tendre contestation tout le monde, pour nous ajuster le code pénal là, parce que là prend 24 mois à partir de la date que le publié pour le mettre en œuvre. Après dit, cette discussion qui commence. Le gouvernement était très ouvert. Moi, j'ai rencontré plusieurs secteurs déjà. Je continue à rencontrer eux. Il y a une réaction qui fait ni dans la télévision, ni dans la radio, ni sur le journal, ni sur les réseaux sociaux. Je continue à discuter. Nous avons 2 ans pour nous faire ça. 2 ans, ça veut dire que ce n'est pas figé. Le code pénal, ce n'est pas tant que nous avons un produit, un point de vue. Nous n'avons pas appliqué. Non. Nous avons attendu tout le monde qui a parlé autour de lui, discussion, critique. Et si il y a des choses pour nous changer, nous avons changé. Nous sommes très ouverts sur ça. C'est bon, 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 c'est bon.